הלא בעזרת השם לזוהר דסומתן פרשת שלח לך כל מעלה שבתה כד מקדשים ישראל יומה לטאטה כרוזה כריז לארבע סטרי עלמה התכנשו משריין קדישין עד כאילו קורסיין מלחמא חדווה בתלת מאה ותשעין רקיעין כמה ממנן כמה שיתונים התכנשי התחייב Carosa, il y a une voix qui sort dans le ciel, échoue, venez tout le monde, écoutez le qui Il dit ça se passe dans 390 mondes dans le Shamaïm, Dans le Shamaïm, il y a 390 mondes où ça se passe. Il dit ici, Tout le monde se ramasse, tous les anges se ramassent dans ce monde. Quand on fait le kiddush, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie. Lui, il, se, il révit. Il fleurit. Ça, c'est avec le kiddush de Bné Israël. Pour te dire l'importance du kiddush. Vous savez que le kiddush, il a 70 lettres. Mots, pardon, 70 mots. Jusqu'à Borei Préhagéfen, 35. Après Borei Préhagéfen, 35. Pourquoi 70 Begematria Yain. Le 20. Yain, Yud. Yud, Yud, c'est 10. Yud, c'est 10, Yain. Alors, Tovin Dodecham Yain. C'est très important de ne pas sauter un mot. C'est très calculé. Tout le Kiddush, c'est calculé par mot. Et c'est quelque chose... Alors, le Kiddush, il faut, il faut être... Il faut s'asseoir. Ça veut dire pas s'asseoir. Il faut être debout. Il faut pas marcher, il faut pas parler, il faut pas faire des clins d'œil. C'est les anges. Il vient, il vient écouter le kidouche. Les anges, il vient écouter le Kiddush. Il dit ici le soir, il continue. Il dit ici, et au moment au moment de vendre, quand on fait le kidouche le vendredi soir, tout le Tzaddikim, binuga, le tzaddikim se ramasse là-bas, et ils ont le plaisir de Shabbat dans l'autre monde. Regarde, toi, tu as le plaisir du Shabbat. On dit que le Shabbat sur terre, c'est un soixantième du plaisir du Shabbat au ciel. Rien que le plaisir que tu as dans le Shabbat. Quand le Shabbat est rond, tu dis Ah, bah, au Hashem, tu manges, la dafina est bien sortie, le vin est bon. Tu dis Bah, au Ça, c'est rien qu'un soixantième du plaisir qu'il y a dans l'autre monde. Là-bas, le Tzadikim, il, il se ramasse pour avoir le plaisir du Shabbat. Et il dit ici si, ta Viens voir, dit le soir, quand le Shabbat y rentre, il y a des nouvelles neshamotes qui descendent sur terre. C'est ça qu'on appelle la neshama yetera, Le neshama supplémentaire que chacun de nous reçoit le jour de Shabbat. Il dit ici, aussi, il dit, Zaka, Ihu, pardon heureux celui man de hidusha d'oraita amrat kamek kama chedva avid. heureux celui qui est capable de dire un hidush en à table, le Shabbat, le vendredi soir et le samedi midi. Il dit ici pourquoi? Quand tu dis hidush à table, dit, le zoar, qu'est-ce? A kadosh kan nish le pamaliadile, A kadosh kohamas tout le pamaliad, tous les anges, il leur dit shema ohidusha d'oraita damra nishmata de deploni. Viens écouter je venez écouter le Hidouche de celui-là. Le qui dit à part ça, il dit que tes parents, qui qu soient vivants, ou après Mea tout de suite on leur donne Ganeden. Ce Shabbat-là, on leur donne rentrer Ganeden. Pourquoi Parce que toi tu es le fils et tu as fait un Hidouche en varthora Mais qu'est-ce que c'est Un Hidouche, il y a deux manières de le comprendre. Hidouche, toi-même tu as fait le Hidouche tu l'as tu l'as pensé tu l'as fait de hidouch ou tu as écouté une tu as écouté quelque chose de nouveau pour toi et tu le répètes ça c'est aussi hidouch si je ne savais pas quelque chose je l'écoute c'est hadash c'est quelque chose de nouveau quel mérite quel mérite tu as quand tu le fais tes parents ganeden iront à ganeden en plus de ça à Bahu, ramasse tous les anges il dit venez il dit ici le d'Oraita, ça. Alors il dit ici, alors il Shabbat, il dit la neshama yetera de nachta la neshama qui descend. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut la neshama quand elle descend sur terre? Qu'est-ce qu'elle veut manger le Shabbat? Oui, c'est manger, c'est bon. Il dit non, elle veut écouter des cheduchim, cheduchah Torah. Alors Shabbat, où tu lis? Où tu vas dans un cours de Torah? ou, tu fais quelque chose, et tu, tu écoutes un Torah, mais ça, c'est important, il dit ici, la euh, euh, chaque mot qui sort de la bouche de celui qui dit le haïdouche, tous les anges, vehayota kodesh. Il y a plusieurs niveaux des anges. Dix niveaux des anges, dit le Maïmonide. Il y a dix niveaux dans les anges. Il y a le niveau qui s'appelle Vaofanim Vehayota Kodesh. Le Hayota Kodesh Mitraban Begadfin ou Begadfin. Il dit il reçoit des ailes en plus. Alors tu fais Nahat, même les anges. Parce que Mitraban Begadfin. Les anges, ils ont des ailes en plus. Grâce à ton Hédouche, il reçoit. ha Kodesh. Okay? Alors, il reçoit des ailes en plus. Alors, il dit ici. Si, eh, alors, quel est, quel est le mérite de celui qui écoute ou que celui qui dit endvar le jour du Shabbat okay? Alors, il fait plaisir à ses parents. Il fait plaisir à soi-même. Et, et il fait plaisir aux anges. Alors, très important, le Shabbat, il faut pas le gaspiller, rien que manger dormir. Le Shabbat, il faut aussi étudier. L'âme, Amen Amen.